C'était sa première apparition publique depuis novembre. La princesse Charlène a assisté à une course du championnat du monde de Formule 1 à Monaco aux côtés de son mari, le prince Albert. Elle avait l'air pensive. Tous les regards étaient tournés vers la princesse Charlène, qui a fait sa première apparition publique aux côtés de son mari, le prince Albert, lors d'une course de Formule 1 à Monaco. Les deux enfants du couple, les jumeaux Jacques et Gabriella, étaient également là. L'ancienne nageuse née au Zimbabwe semblait pensive et renfermée, mais elle souriait aussi de temps en temps. Princesse Charlène, première apparition publique depuis novembre. Des apparitions comme celle-ci ont été rares ces derniers mois. Après 10 mois en Afrique du Sud, Charlène revient en principauté en novembre, mais repart presque aussitôt après. L'homme de 44 ans a passé l'hiver en thérapie et a été gardé pour épuisement. Son épouse souffre d'un profond épuisement, à la fois émotionnel et physique, a déclaré le prince Albert peu de temps après dans une interview au magazine américain People. Depuis, de folles spéculations vont bon train sur l'état de santé de Charlène. Espérant probablement calmer la rumeur, le prince Albert a commenté à plusieurs reprises l'état de sa femme. Charlène était vraiment épuisée, a-t-il déclaré au journal français Paris Match. Pour cette raison, la famille a décidé ensemble de se faire aider à l'étranger afin de pouvoir se rétablir en paix.